Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer le dashboard de euh, l'assurance nomade de Safety Wing. Alors, on, vous avez peut-être vu dans la pré précédente vidéo, c'est très simple, ça prend moins de 5 minutes de créer un compte sur Safety Wing et, avec, pour l'assurance la, nomade et d'être couvert pour nos voyages. Donc, c'est une assurance euh, voyage, voilà, très simple. C'est simple de s'enregistrer, c'est simple à utiliser. Et euh, donc, ça couvre par période de 28 jours et c'est reconduit automatiquement. Donc, euh, voilà, donc ici on a notre numéro d'assurance, le type, on peut lire tous les détails donc de la police d'assurance. Voilà, donc on ne va pas le faire dans, dans cette vidéo, mais euh, si vous voulez plus, plus d'informations, depuis toujours le dashboard, c'est rapide d'accès, vous avez tous les détails de votre police d'assurance, si vous avez des add-ons, donc par exemple ici les, les sports qui ne sont pas couverts, si on ne prend pas euh, l'add-on, donc tous ces sports ne sont pas couverts par exemple par défaut. Et, euh, et voilà, donc, si on retourne maintenant sur notre euh, dashboard, donc on a la, la, toujours euh, très important la date de début la date de fin de notre police d'assurance, au moins du terme euh, courant, le paiement suivant, et combien, euh, combien il coûtera et euh, quel jour, donc euh, 66 dollars le 5 août, donc trois jours avant la fin de notre euh, police d'assurance, et si on veut euh, l'arrêter, il y a le bouton d'arrêter à droite. Si on clique sur notre carte d'assurance, on a euh, voilà, donc on a les, euh, les contacts d'urgence, euh, qu'il faut utiliser euh, en, cas de, en cas de problème, en cas de, de, de besoin d'assurance. On peut aussi imprimer, euh, imprimer le, la police, donc euh, bien sûr à faire, euh, à faire au plus vite, à garder sur soi au cas où il se passe quelque chose pendant, pendant qu'on voyage. Et euh, voilà, donc juste en quelques boutons, on imprime et on a notre police d'assurance. Ensuite, on a aussi des boutons, bien sûr, pour euh, soumettre une demande de remboursement. On peut générer aussi une lettre de euh, visa. Pour les, les besoins de visa, pour euh, aller dans les ambassades ou autres, et vous euh, voyager, et prouver qu'on est couvert par une assurance. On verra ça dans une prochaine vidéo. Et on peut arrêter à tout moment notre police d'assurance, qui euh, simplement ne sera pas euh, par conduit. Voilà. Donc ici, on a aussi les add-ons. Nous, par exemple, on a pris l'addon pour les vols de nos euh, biens électroniques. On n'a pas pris euh, l'addon pour euh, la couverture euh, Amérique, euh, USA, États-Unis ni celle pour les aventures. Et si on veut, on peut l'ajouter n'importe quand, il suffit de les contacter, voir ça avec eux. Ensuite, on a le détail, enfin le récapitulatif de ce qui inclut. Donc notre police d'assurance va jusqu'à 250 000 dollars de limite, tout ce qu'on a dedans, donc évacuation d'urgence, euh, euh, problèmes médicaux en voyage, euh, euh, voilà, les retards, les, euh, les interruptions, euh, les euh, problèmes les, les urgences dentaires, la, la réappatriation des, euh, des restes en cas de... D'essai et la personne donc qui, est, qui est le bénéficiaire, si jamais il nous arrivait quelque chose. Voilà, donc tout est là, tout est simple, facile d'accès. Voilà, donc l'interface bien faite, très simple d'accès, même quand on ne parle pas anglais. Avec un bouton, donc, on peut aller voir la liste de nos demandes de remboursement. Donc là en l'occurrence on n'en a fait aucune puisqu'on vient de créer le compte, euh, mais si on en avait, ce serait là. On a aussi toujours euh, l'accès donc au, à la facturation. Donc, voilà, donc ici le reçu pour le dernier paiement. On peut euh, bien sûr imprimer, imprimer ce paiement, euh, les détails de notre police d'assurance. Voilà, euh, encore une fois, donc on peut euh, imprimer un reçu si on a besoin. Euh, voilà, donc tous les détails de notre police d'assurance, les paiements euh, qu'on a effectués. Donc là, il y a un paiement pour le début de la police d'assurance. On peut changer, bien sûr, notre moyen de paiement au, au besoin. Euh, et voilà. Et on peut euh, inviter des amis. Donc au bout en fait de, de 28, euh, 28 jours, donc euh, au bout d'un premier terme de police d'assurance, on peut inviter des amis. Ils recevront euh, 20 dollars de réduction et nous on recevra aussi euh, 20 dollars. Euh, voilà. Donc euh, une fois qu'on a utilisé la police d'assurance et euh, si on est satisfait, il n'y euh, a pas de raison, ce sera très certainement le cas. Voilà, on peut donc très facilement inviter des amis et euh, les avoir aussi euh, avec nous. Euh, voilà on a aussi et si jamais on a déjà invité des amis on peut voir rapidement combien on a gagné grâce à ça voilà. donc encore une fois un dashboard très simple d'accès une assurance euh, qui convient à, euh, aux voyageurs pas seulement les nomades digitaux et si on veut donc arrêter la police d'assurance en un seul bouton donc ça va arrêter en fait à la fin du terme en cours donc nous le terme en cours par exemple il termine le, euh, le 8 août donc si on fait arrêter la police d'assurance on sera couvert jusqu'à la date de fin actuel voilà donc ici on a arrêté notre police d'assurance donc on peut faire ça n'importe quand très, très, très rapidement euh, voilà il n'y a pas de il y a pas de, euh, a pas de, de problème de, de choses cachées et euh, voilà donc ça arrête automatiquement automatiquement le 8 août et si on veut leur redémarrer, on a juste un bouton resume policy pour redémarrer la police euh, la police d'assurance voilà donc simple et et encore une fois, simple et efficace. Euh, tout est fait pour que ce, cette police d'assurance soit la meilleure pour les voyageurs. Donc, vous pouvez encore une fois, euh, vous avez le lien en description, vous pouvez démarrer la police d'assurance quand vous souhaitez, même si vous avez déjà commencé à voyager. Euh, donc, elle est, elle est extensible jusqu'à 364 jours. Voilà. Et si on l'a arrêté, on peut la redémarrer à n'importe quel moment, juste en cliquant sur le bouton et en s'assurant bien sûr qu'on a un moyen de paiement derrière. Donc, simple, euh, efficace et s'applique euh, à tous les voyageurs donc qui ont, on a tous bien sûr besoin quand on voyage d'être couvert par une police d'assurance donc dites-nous en, en, en commentaire euh, où est-ce que vous voyagez et comment vous utilisez votre police d'assurance